Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Astronir. Nous sommes toujours sur la planète désertique, je crois, de mémoire. Hein. Enfin, l'équivalent. Oui, non, c'était quoi? Je sais plus. L'exotique? Bref, je ne sais plus exactement c'était laquelle, désolé. J'avais donc décidé, chers amis, d'aller continuer à explorer cette planète. Sachez cependant que nous sommes passés enfin en patch 125, par conséquent, il y a des nouveautés. On peut partir en termes de nouveautés, voilà, par exemple, ici, d'une nouvelle d'une nouvelle skin, on va dire, pour l'habitat. Voilà, très très simple, hein, rien de bien méchant, si je puis dire. Plusieurs autres bâtiments, on va appeler ça, enfin, non, un autre bâtiment principalement, a reçu une modification de ce type. J'entends parler de... alors oui, par contre, vous allez voir que depuis que j'ai rechargé la sauvegarde, il y a plein de bugs graphiques. Exemple, là, tout le caillou a disparu. On avait des couleurs avant sur ces trucs-là, on n'en a plus. C'est vraiment très très particulier, je ne sais pas véritablement ce qui se passe. Ça avait l'air d'être un bruit d'une chose qui allait me bouffer. Oh putain, ça tourne vite. Oh non, de jeu que ça tourne vite. Et il semblerait que l'endroit où j'ai creusé ait subi un léger problème. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils ont fait quoi? Ok. C'est étrange. Étrange bazar bizarre, et je dis bizarre comme c'est bizarre. Ah, il y a des bruits de bestioles maintenant aussi, voilà autre chose. On va suivre ce qu'on a déjà fait, chers amis. On va suivre ce qu'on a déjà fait. J'aimerais cependant... Ok. Il s'est passé des choses, hein. Clairement, là... Ah, parfait, on retrouve la sortie. Cool. Ah, merde. Voilà. J'ai retrouvé... What the fuck? What the fuck? Alors, ce patch est buggé, mais buggé de la mort. Trop de bruit en plus. Mais alors bugué mais à mort, hein, c'est... Oh là là. Oh là là là, oh là là, oh là là là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je recommence tout? Attendez. Ok. Non. Ok, je vais mettre un truc, chers amis. Do we... hi guys. Dewey, le petit frère de... C'est le petit frère de comment de... Oh merde, je me rappelle plus comment il s'appelle. Oh putain, life is unfair. Malcolm. Mais c'est pas ce que je recherche. Hi guys. Dewey, I start a new save. This patch. Est-ce qu'on a besoin de recommencer une nouvelle partie avec ce patch? Since I loaded my save, I know I a few path blocked. By
object that were there before. Depuis que j'ai changé ma sauvegarde, j'ai maintenant des chemins qui sont bloqués par des objets qui n'étaient pas là avant. And it seems that most of my discovered caverns have now a few texture glitches. I can't see through it all. Voilà. Ok, bon bah on va continuer avec nous sur cet épisode, chers amis. Si je dois redémarrer, j'attendrai un patch plus conséquent et je partirai sur un autre jeu. Je pense que là, c'est clair et net qu'on peut pas... C'est hyper buggé, là, en fait. Hein. C'est juste hyper buggé de la mort, là. Hein. Il va m'attaquer, ce truc-là. C'est un poison. Mais alors, le problème, c'est est-ce qu'il est encore là? Oui, il était encore là, du coup. Alors on m'a donné des astuces pour la construction. Par exemple, si je me mets sur ce truc là. Oh putain! Oh, vous êtes des génies. Donc en gros, l'outil d'aplatissement n'aplatit pas et il récupère un polygone pour le refaire. Regardez, par exemple, si je prends ce polygone là au milieu, je vais refaire un mur. Vous voyez qu'il y a le même côté plat. Waouh, c'est génial. Ok, donc là par exemple, je prends ce polygone là. Voilà. Je peux descendre. Oh, c'est génial. Ok. Bon, enfin là, le problème c'est toujours problématique, plus ou moins ici. En tout cas, pour cette planète. Le problème étant que. Tout a l'air d'avoir. Regardez. Toutes les textures sont glitchées. Je vois à travers toutes les textures. Alors, c'est peut-être intéressant pour certains d'entre vous. Hein, mais moi, ça m'intéresse pas de cheater le jeu, si je puis dire. Regardez, regardez. Toutes les textures sont glitchées. Comme s'il y avait une différence entre la partie réelle et la sauvegarde, enfin, le monde de la nouvelle version et la sauvegarde que j'avais, finalement. Et c'est problématique. Enfin, moi, ça m'intéresse pas, parce que déjà d'une, je sais pas, surtout, je peux passer à travers. Est-ce que je peux passer à travers ou pas? Non, apparemment, non. Enfin bon, Allez, on va savoir ça ici. Ok, donc je peux passer à travers. Donc c'est un véritable problème. Bah bien sûr! Bien sûr! Et je n'ai plus rien sur ma map. Si, là. Regardez. Je l'ai vu de loin. D'accord. Bon bah c'est complètement glitché. Là ça pue du cul, chers amis. Là ça pue royalement du cul. Merde. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut peut-être que je... Peut-être qu'en redémarrant, en repartant de la planète et en revenant plus tard, ça va peut-être être résolu, si je puis dire. Mais j'y crois pas des masses. Oh, regardez ça. C'est complètement buggé. Bon, alors je rappelle que celui-là est en early access alpha, hein, donc c'est même pas la bêta du jeu, hein, il est vraiment assez balbutiement, comme on dit. Hein. Donc bon, sauvegarde, chers amis, on est où dans l'épisode? Il faut que je regarde vraiment 9 minutes, donc c'est pas suffisant. J'ai besoin de voir s'il y a effectivement ou non quelque chose. 8 nouvelles, alors ça c'est les invitations, donc merde, bon bah écoutez, je vous accepte. Hop, désolé les gens, si j'ai été long. Ok. Ça c'est bon. Maintenant j'aimerais vraiment avoir un petit coup de main là. Est-ce que c'est possible? Patch. Ok. Mm-hmm. Ok. Alors attendez. Discussion. «
Okay. Non, il n'y a pas de... Non, j'ai pas l'impression d'avoir bugs. Alors, attendez, je suis en train d'essayer d'aller voir. Il y a des gens qui en ont parlé. Ok. Bon, bah non, apparemment, il n'y en a pas. J'ai apparemment, j'ai... Apparemment, je suis le seul à avoir ce genre de soucis, c'est la fête. Mais pour le moment, du coup, je vais pas vous redémarrer une... Je vais retourner sur la planète de base. On va prendre ce qu'on a pu ramener. Qu'est-ce que c'est que ça? Du lithium. J'ai du lithium juste là. Genre, t'es sérieux? Dans ma base? Parce que là, dans ce cas-là, ça me permet de vous montrer une petite chose. C'est que... Voilà. Bah alors? Oh, mais la mise à jour, elle est pas faite correctement ou quoi là? Alors, je suis censé pouvoir trouver des choses ici. Une chose supplémentaire qui s'appelle... De la dynamite. Mais elle n'est pas présente là pour le moment. Faut... Je me suis fait un de lithium, c'est ça? Effectivement. Bon, c'est pas grave. J'ai du lithium à foison ici, au moins je le saurai pour la prochaine fois. Là, j'ai plutôt rentré, chers amis, parce que là, franchement, il y a un truc qui va pas. Il y a clairement un truc qui va pas. Et j'ai envie d'aller voir si sur la planète de base, ça va mieux ou pas. Honnêtement. Là, je pense qu'il faut qu'on aille vérifier ça. Alors voilà, nouvelle animation, les flammes en dessous. Elles n'étaient pas présentes avant. Donc c'est assez cool. On avait cette fameuse boule ronde complètement bizarre aussi. Ok. Nous étions donc sur une planète que j'avais oubliée qui devait être désertique, c'est ça, non? Irradié, pardon. Oui, c'était exact, c'était l'irradié. Et notre planète à nous, elle est là. Donc on arrive dessus, c'est cool. On va pouvoir arriver dans son orbite assez rapidement. Hop. On va pouvoir aller voir si notre planète de base a été atteinte ou pas. Et voir s'il y a des dégâts, hein, malheureusement. Mais là, faut reconnaître qu'on a un véritable problème. Ah, même les animations comme ça sont faites. Cool. Cool, cool, cool. Génial. Absolument génial. Bon, par contre, on a véritablement un gros problème, c'est qu'on n'a pas, j'ai pas l'impression d'avoir accès à tout. Normalement, la dynamite se fait à partir du sac à dos, d'après le poste. Je revérifie quand même, chers amis, hein, je revérifie avec vous, hein, mais là, pour le coup, je suis déçu. From backpack, effectivement. Donc, c'est pas ici. Nous, ça va plutôt être celle-là, donc sur la montagne. Voilà, on est parti. Ils descendent la montagne à cheval. Alors, c'est là que j'atteins cette énigme. Est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, il s'est passé des choses. Alors déjà, l'herbe a repoussé, donc ça c'est cool. Visuellement, ça claque, hein, clairement. Il s'est passé des choses, hein. Visuellement il s'est passé tout un tas de choses là. Alors du coup, ce qui veut dire que je vais pouvoir faire la truc très très rapidement. Merde, j'aurais dû la faire d'ailleurs, j'étais con. Bref, on refera ça une autre fois, chers amis. Mais là, finalement, on a véritablement un problème. C'est qu'en fait, les terrains ont été régénérés. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, plein de choses sont apparues dans l'endroit où j'aurais préféré que ça n'apparaisse pas. Je vais vérifier mon backpack maintenant qu'on a fait un petit voyage. Donc j'ai toujours rien qui s'appelle de la dynamite. On va aller voir en termes de construction. Mais normalement j'aurai rien non plus. Alors c'est peut-être un truc à découvrir. C'est peut-être un truc à découvrir. Tout bêtement. Tout bêtement, tout bêtement. On va le mettre à découvrir. Hop. Pendant ce temps-là, moi je vais aller chercher le truc là-haut.
Du charbon, ça peut être pratique du coup. Parce que la dynamite doit se faire à partir de charbon, j'imagine. Ok, on va partir là-bas, on va chercher la boule ronde, vous savez, enfin la boule ronde. Tout est relatif, hein, bien sûr. Hein. Mais bon, certes, alors c'est joli le fait que ça ait repoussé. Il faudrait que ce soit réintégré d'ailleurs, hein, que ça puisse repousser au bout d'un certain temps, parce qu'après tout, la terre, c'est de la terre. La terre, c'était le charbon. Bref, désolé. Ah, il a plus de mal! Y aurait-il une amélioration? Y aurait-il eu une amélioration de la physique? La bouboule. Boule qui roule. Ah bah c'est parfait là. Eh, franchement, on va gagner un temps fou! J'ai plus d'énergie. D'ailleurs, ce que je peux faire aussi, c'est tout simplement. Ah, j'en ai pas! Je vais mettre des rallonges. Mettre des rallonges et je vais suivre le truc. Du coup, je ferais peut-être mieux de bien commencer. Pardon. Rallonge. De bien commencer ici, plutôt que de me planter. Bien, donc c'était pas très très droit. Et là, est-ce que c'était plus droit? Pas vraiment. Là, c'était peut-être un petit peu mieux. Ok. Allons-y. Ok, donc là je peux rajouter. Ah, j'ai l'impression qu'ils ont rallongé la longueur des. Bon, on verra. Non, tu veux bien rentrer. Oh là. C'était quoi déjà le truc? Ok, c'était ça. Essayons. C'est pas la même chose? Ah putain, faut pas que je le lâche, hein. Oula, et tu veux bien... Ah mais... T'es casse-couille! C'est pas grave, allons-y. Bon, ça a pas l'air d'être tout à fait ça, hein. Je veux pas dire, mais... Allons-y. C'est là d'être revenu comme il faut. Ça va être une grosse rampe, hein. Plus de piles. Mais bon. Ça a l'air efficace. Ensuite, on la reconstruira, chers amis, ne vous inquiétez pas. Vous savez, on la remaniera visuellement, mais... Ah non, passe par là. Par principe, je préfère revenir là-haut. Puisqu'apparemment, c'est là que ça marche le mieux. Hop, on y retourne. Profitez du jour, hein. Faut profiter absolument du jour, chers amis, là. Hop, on est bon. On est bon. On est bon. Là, j'ai zigzagué, c'est pas bon. Ok, on y retourne. Alors, faut savoir, c'est que là, les commandes sont inversées, bizarrement. Sûrement parce que je recule. Allez Marcus, tu peux le faire.
Allez, on y va. Cette fois, je m'arrête pas, chers amis. J'y vais. Je fais petit bout par petit bout. Mais j'y vais. Allez. 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 Allez, touche le sol, bon Dieu! Parfait, c'est bon. Wouh! On a fait une rampe. Elle est longue, mais elle existe. Cool, 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 cool. Par contre, du coup, il va me falloir de l'oxygène. Donc, la rampe est faite. C'est là que je vais apprendre qu'il faut que je refasse toute ma planète, mais c'est pas grave. Enfin, qu'il faut que je refasse toute ma partie. Alors, vous inquiétez pas, hein, pour l'instant, la rampe, elle est juste faite, hein, comme j'ai déjà dit. Mais ça va changer. Voilà. On va remodifier tout ça, vous inquiétez pas. C'est prévu. Je sais déjà comment je vais faire en fait. Précisément. La boule. Bouboule. 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 Là. Putain, elle fait de la... Ah oui, j'avais oublié qu'elle faisait de la lumière. Cette boule. Ok. On va finaliser ça. On va essayer de voir si la dynamite c'est quelque chose à trouver ou pas. Tout ça, etc., etc., etc. Mais surtout, on va essayer de... Oh. C'est pas un truc à rechercher? C'est de la déco! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment veux-tu que je souhaite... Ok. Ok, bon, on va aller voir s'il y a eu des réponses qui m'ont été en données. Bon, apparemment, il y a eu une réponse d'un modérateur. Apparemment, il y a une réponse d'un modérateur du commande du jeu qui m'a dit qu'il faut pas que je... Effectivement, il y aura des bugs et il faudra que je... il faudra pas que j'hésite à recommencer. D'accord. Ok. Bah écoutez, chers amis, maintenant, vu qu'il n'y a pas énormément de contenu en règle générale sur cette mise à jour en plus, moi, je pense que je vais pas aller plus loin. Je vais peut-être prendre un autre jeu ou n'importe quoi, on verra. Je voudrais juste essayer de m'approcher avec quelque chose qui soit fondable. J'en ai pas. Sur moi peut-être. Non, j'en ai pas non plus. Puis, je vais pas en avoir du tout. Crac 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 crac. Quelque chose que je puisse faire fondre en cas de... Non, je peux pas. J'aurais aimé vous montrer. Enfin, grosso modo, l'animation des flammes a été aussi réutilisée ici. C'est-à-dire que quand vous fondez quelque chose, ici en haut, vous avez des flammes qui apparaissent tout bêtement. Voilà. Donc eh bien, écoutez, chers amis, du coup, nous, on va mettre fin à la série ici pour le moment, tant qu'il n'y a pas de plus grosse mise à jour. Je pense revenir sur le jeu d'ici un ou deux mois, peut-être, hein, quelque chose comme ça. En tout cas, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la regarder, à la pouce-vériser, là, regardez, à re-regarder toute la série si vous voulez apprendre un petit peu comment faire de manière optimisée certaines choses. Je parle de, par exemple, de tout ce qui est objet, par exemple, à emmener pour faire une base de ravitaillement sur une autre planète pour commencer vraiment une base. Si vous avez aussi des... besoin entre guillemets, vous voyez par exemple là moi j'ai fait une base qui était de manière exprès trop grande, je voulais m'assurer vraiment de pouvoir gérer l'énergie etc, donc je l'ai fait, vous voyez j'ai fait des rayons batterie, des rayons source d'énergie, mais je pense que cette formation en épi est une très très bonne idée. Après à vous de régler la taille des épis selon votre convenance, hein, si vous pensez que vous allez faire plein d'épis, c'est vrai que là j'ai du gaspillage de résine là dessus c'est clair, mais j'ai un spot où j'ai je dois avoir 3 points de résine à moins de 2 minutes en truck. Du coup ça va très très vite. Mais voilà, donc en fonction de votre spot, faites une base comme ça, mais essayez de garder la forme générale qui vous permettra en fait simplement de mieux gérer votre énergie et de pouvoir continuer à agrandir votre base en fonction de ce que vous avez. Voilà. Donc et bien écoutez les amis, du coup, merci d'avoir suivi cette série. Moi je vous retrouve dans quelques semaines, quelques mois peut-être, sur une série Astronir qui sera plus plus concrète et plus peut-être plus aboutie. Voilà. Donc salut les gens, et je sais pas du tout ce que je vais tourner à côté. Salut !